Salut les critiques. Donc, ça fait un petit moment qu'on a un énorme coup de cœur. Alors, quand vous venez à la librairie, vous êtes forcément au courant parce qu'on en met plein en vitrine, on a des grandes affiches dehors, on a des grandes affiches dans le magasin. Quand vous arrivez en caisse, on vous empêche de repartir sans ce livre dans la main. Mais maintenant, pour vous, internautes qui nous regardez, il est temps de faire votre bonne action, soit en venant l'acheter sur notre site, soit en allant chez votre libraire préféré pour l'acheter. Il s'agit de quoi ? De La Guerre des Lulus, comme vous avez pu le voir sur les commentaires. On a adoré cette série, qui n'est pas terminée, qui permet de voir la Première Guerre mondiale sous un autre angle, l'angle de quatre enfants, les quatre Lulus, d'où La Guerre des Lulus. Donc, je regarde parce que j'ai oublié leurs prénoms, Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig. Ils ont tous un âge différent, leur façon de parler est super bien retranscrite, c'est très touchant, c'est très poétique, c'est accessible à partir de l'âge de 10 ans, mais sans problème, et ça permet vraiment de découvrir la Première Guerre d'une autre façon. Donc on suit ces quatre enfants, orphelins, qui ont plutôt l'habitude de faire l'école buissonnière, d'aller dans leur cabane dans les bois, sauf que ce jour-là, lorsqu'ils vont dans la cabane et qu'ils reviennent, il n'y a plus personne à l'orphelinat. L'armée française est venue demander d'évacuer le village et l'orphelinat. Donc quand ils reviennent, il n'y a plus personne. Ils ne s'inquiètent pas trop, ils se disent qu'ils sont partis à la messe, sauf que personne ne revient, le soir ils ont faim. Ils vont dans le village et là, qu'est-ce qu'ils voient ? L'armée allemande qui déboule. Ils se précipitent dans leur cabane dans les bois en se disant, de toute façon, vu la propagande, ce n'est pas très grave, la guerre va durer 2 semaines, sauf que la guerre dure. Et c'est pas terminé pour eux. Et c'est vraiment, voilà, c'est magique, c'est touchant. Donc pour l'instant, 2 volumes parus, 1914-1915, Hans. Une amitié va se créer avec un Allemand blessé pendant le conflit sur place. Et sincèrement, on vous conseille très, très fortement cette série, La Guerre des Lulus, de Hautière et Hardoc aux éditions Casterman, deux auteurs charmants que nous avons eu le plaisir de recevoir en dédicace. Donc, précipitez-vous chez votre libraire. À bientôt les critiques.